Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Père très saint et miséricordieux, donne-nous de parcourir à nouveau dans la foi et dans l'amour le chemin de croix, afin qu'en prenant part à la passion de ton Fils, nous puissions parvenir avec lui à la gloire de son royaume, par le même Christ, notre Seigneur. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station, Jésus est condamné à mort. De l'Évangile, selon saint Matthieu, Pilate livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Nous considérons comment, après avoir été flagellé et couronné d'épines, Jésus-Christ est injustement condamné à mourir crucifié par un juge qui s'en lavait les mains, bien convaincu de l'innocence de sa victime. Seigneur, en ce moment de la condamnation à mort de l'innocent, nous prions pour tous ceux qui sont injustement condamnés, tous ceux qui ont été victimes d'injustice. Seigneur, nous te prions. Deuxième station. Jésus est chargé de la croix. De l'Évangile selon saint Marc, puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. Nous considérons comment, tout en montant péniblement sur la montagne du Calvaire, avec la croix sur ses épaules, Jésus-Christ pensait à nous. Il offrait pour nous à Dieu la mort qu'il s'en allait souffrir. Prions. Seigneur Jésus, au souvenir des douleurs endurées en portant votre croix, je veux, fortifier par votre grâce, accepter avec patience toutes les peines que je suis amené à supporter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons,
parce que Dieu a racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Du livre d'Isaïe, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Prions. Nous contemplons cette première chute de Jésus-Christ sous la croix. Ses chairs qui sont déchirées par les fouets, sa tête couronnée d'épines, son sang répandu en grande quantité, qu'il avait réduit à une si extrême faiblesse qu'il pouvait à peine marcher. Et cependant, les soldats le poussaient durement. Tout cela fit qu'il tomba à plusieurs reprises sur le chemin. Prions. Seigneur Jésus, par le mérite de cette première chute, préserve-nous de tomber dans le péché. Aidez-nous à ne pas nous attacher par habitude à quelque péché. Du livre d'Isaïe, toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Nous considérons la rencontre de Jésus et de sa mère sur le chemin douloureux. Jésus et Marie se regardent, et leurs regards sont comme autant de traits qui percent leur cœur brûlant d'un mutuel amour. Seigneur, en cette station où les regards, vos regards rencontrent les regards de votre mère, nous prions pour toutes les mamans en souffrance. Nous te confions les douleurs qui sont liées parfois à l'éducation, à l'amour, à l'accompagnement des enfants. Mère de Dieu, priez
Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Nous contemplons comment les Juifs, voyant que Jésus, dans son extrême faiblesse, était sur le point d'expirer, craignirent qu'il ne mourût en chemin, sans mourir de la mort infâme de la croix. C'est pourquoi ils contraignirent Simon le Cyrénéen à porter la croix après notre Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui aujourd'hui aident les plus souffrants à porter leur croix. Au cœur de cette épidémie, nous prions pour tous les Simons de Cyrène, connus et inconnus, qui viennent au secours de ceux qui sont malades. Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. Nous considérons comment une sainte femme nommée Véronique, voyant Jésus excédé de douleur, le visage inondé de sueur et de sang, lui présente un linge sur lequel notre Seigneur imprime l'image de ses traits sacrés. Seigneur Jésus, pendant votre passion, le sang qui coulait de vos blessures avait altéré la beauté de votre visage. Hélas, mon âme aussi était belle à mon baptême. Malheureusement, je l'ai enlaidie par mes péchés. Vous seul, Seigneur Jésus, pouvez lui rendre sa bonté. Faites-le, je vous en prie, par votre passion. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nous
du psaume 22. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Nous considérons cette deuxième chute de Jésus sous la croix. Elle renouvelle la douleur de toutes ses blessures et de tous les autres membres sacrés de notre très affligé Seigneur. Seigneur Jésus, que de fois vous m'avez pardonné, et je suis hélas retombé en vous offensant à nouveau. Faites que dans toutes les tentations, je me recommande plus promptement à vous pour ne pas succomber. De Saint Luc, femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Nous considérons comment, à la vue de Jésus, si maltraité, et arrosant le chemin de son sang, les femmes pleuraient de compassion. Ne pleurez pas sur moi, leur dit Jésus, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Seigneur Jésus, accablé de douleur, je regrette les offenses que je vous ai faites. Mais surtout à cause de la peine que je vous ai causée à vous qui m'avez tant aimé. Seigneur, nous te demandons d'avoir un cœur de compassion. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Nous considérons la troisième chute de Jésus, sa faiblesse qui était excessive,
mais aussi excessive la cruauté des bourreaux qui voulaient lui faire hâter le pas alors qu'il avait à peine encore la force d'avancer. Seigneur Jésus, abreuvé d'outrage par le mérite de cette faiblesse que vous avez bien voulu éprouver, donnez-moi la force de vaincre celui de mes penchants mauvais qui vous a conduit à cette souffrance. Ils partagèrent entre eux mes habits et ils tirèrent au sort mon vêtement. Nous considérons avec quelle violence les bourreaux dépouillent Jésus. Son vêtement intérieur était collé à ses chairs, déchiré par les fouets. En le lui arrachant, il lui arrache aussi la peau au milieu d'horribles souffrances. Seigneur Jésus, nous vous confions tous ceux qui sont dépouillés de toute dignité, tous ceux qui sont innocents et broyés par la douleur, par l'oppression. Considérons comment Jésus, renversé sur la croix, étend les mains et offre au Père éternel le sacrifice de sa vie pour notre salut. Ses bourreaux l'attachent avec des clous, élèvent ensuite la croix et le font mourir sur ce cruel et infâme gibet. Seigneur Jésus, vous êtes outragé. Nous désirons placer notre cœur tout près du vôtre, afin que nous n'oublions jamais votre amour et que nous ne cessions jamais de vous aimer.
mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime. Seul le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Évangile selon saint Luc. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Nous considérons comment, après 3 heures d'agonie sur la croix, Jésus meurt épuisé par les douleurs. Il s'affaisse, il incline la tête et il meurt. Seigneur Jésus, nous embrassons cette croix sur laquelle vous êtes mort pour moi. Quand viendra l'heure de ma mort, permettez-moi d'embrasser votre crucifix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Treizième station, Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Nous considérons comment, après la mort du Seigneur, deux de ses disciples, Joseph et Nicodème, le descendent de la croix et le remettent entre les bras de la très sainte Vierge, la mère affligée qu'accompagnait saint Jean. Ô mon divin Rédempteur, à l'exemple de votre sainte mère, faites que j'ai le courage de participer, lorsque cela me sera donné, à votre sacrifice pour le salut des âmes. En prenant part à la charité et en faisant quelques pénitences, Dieu sait combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon. Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent.
Le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.